Une première pour Georges et Charlotte. Les petites têtes couronnées ont assisté ce mercredi 25 décembre à la traditionnelle messe de Noël à Sandringham, dans le comté de Norfolk, où se trouve la résidence royale dans laquelle la reine aime passer les fêtes de fin d'année. Les enfants du prince William et de Kate Middleton ont emprunté pour la première fois le chemin vers l'église Saint-Marie-Magdalène tenant fermement la main de leurs parents, salués par une foule venue nombreuse pour assister à l'événement. Et pour sa première messe de Noël, du haut de ses 6 ans, le prince George a commis une faute vestimentaire. Il a en effet brisé le protocole royal, dans son complet bleu marine, le fils de William et Kate portait un pantalon et non un short. Pour l'étiquette, ce choix s'apparente à une véritable faute, selon le média britannique Express. George, déjà dans la cour des grands, selon la tradition, les garçons de l'aristocratie et issus de la royauté portent des shorts, détaille-t-on. Les experts de l'étiquette considèrent que ne pas le respecter, cela fait très classe moyenne, voire banlieue, bien que récemment, cela a plus à voir avec la tradition au sein de la famille royale qu'avec l'aristocratie. Comme le veut la tradition, les garçons ne devraient porter que des shorts jusqu'à l'âge de 6 ans ou 7 ans. George n'en a que 6, peut-on lire dans Express. Ce n'est pourtant pas la première fois que le petit prince déleste ses shorts pour porter un pantalon. Au mariage de son oncle le prince Harry avec Meghan Markle, le troisième héritier au trône s'était, là aussi, couvert les jambes. Peut-être que ses parents ont-ils tout simplement décidé qu'il était temps pour leur fils de rentrer dans la cour des grands. Ou alors, ils ont eu peur que le petit George ne tombe malade le jour de Noël, ses jambes nues dans le froid britannique. Thank you.